know what to make. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien, eh bien tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 13 des femmes de footballeurs les plus belles. Je sais que vous aimez le foot et qu'on aime tous les femmes, donc je pense que cette vidéo va faire que vous plaire. Parce que comme on dit, derrière chaque grand homme se trouve une grande femme, une très très belle femme. Et les footballeurs, eux aussi, ont de très très belles femmes, très très gentilles et très très charmantes. Bref, on va commencer par la 13e, et comme d'habitude les frères et sœurs, n'hésitez pas, si vous aimez, explosez-moi cette barre de like pour me montrer que vous aimez les top 13 et que vous voulez que ça continue. Bref, on commence en 13e position, Melissa Sata, la femme de Kevin Boateng, que vous connaissez normalement. Je la trouve vraiment très très belle et je trouve qu'elle est quand même assez naturelle. On va y arriver, j'ai pas droit qu'on va y arriver. En 12e position, Barbara Evans, et c'est la femme du footballeur José Guerrero. Malheureusement, ce footballeur, j'ai essayé de le chercher sur Google, je n'ai pas réussi à le trouver. Donc j'ai pris une image, je l'ai flouté, j'ai mis un point d'interrogation, parce que je n'ai vraiment pas réussi à trouver ce footballeur. Je suis même allé sur mon TeamSpeak où il y a tous mes abonnés qui s'y connaissent quand même pas mal en football. Et pourtant, non, ils ne le connaissent pas. En 11e place, c'est Charlotte Pironi, c'est la copine de Thauvin. Thauvin qui joue à l'Olympique de l'OM. Cette femme, ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est la dauphine des Miss France 2015. C'est-à-dire que si Miss France, elle fait une connerie ou elle fait une bavure et qu'elle est enlevée, eh bien c'est elle qui remplacera Miss France. Alors, autant vous dire, déjà, elle est élue quand même comme Miss France, on va dire, second. Et en plus, je la trouve vraiment très très charmante. Et à mon avis, elle aurait pour moi mérité l'une des premières places. Et j'aurais même peut-être dit, allez, le top 3 au moins. 10e place, on a Antonella Rocchizzo. J'ai du mal à dire son blaze. Oui, je sais. Excuse-moi, Lionel Messi. Cette femme, c'est la compagne de Lionel Messi, le grand joueur de football. Et je la trouve vraiment assez charmante. Messi, voilà, ça take. En 9e position, on a Alena Seredova, la compagne de Buffon. Je trouve qu'elle est énormément jeune quand même, hein, personnellement. Après, bon, Buffon est un mec quand même assez charmant aussi. Et c'est un grand footballeur, un grand sportif. Et franchement, bah, elle le mérite et il la mérite. En tout cas, Buffon, tu gères ma gueule. En 8e position, on a Isabelle Goulard. Devinez, cette femme, c'est la femme de qui? Kevin Trapp, voilà. C'est la petite femme de Kevin Trapp, vraiment très très charmante. Alors en 7e position, on a Hélène Svetin, la femme de Luis Figo. Très très charmante, très très belle femme. Un petit peu trop blanche à mon goût, madame, il va peut-être falloir aller à la plage un peu de temps en temps. Hein. Alors en 6e position, on trouve Bruna Marquezine. Pour les vrais fans de football, ils doivent la connaître. Si je vous dis hashtag Barça, si je vous dis hashtag Brésil, si je vous dis hashtag Rio de Janeiro, non, ça vous dit rien? Ah si, Neymar, bah c'est la femme de Neymar. Neymar, vraiment... Psahtek, vraiment Neymar, Psahtek, Rouya, Psahtek. Profite bien, on vit qu'une fois, mon pote. En 5e position, on a Yolande Cabot, la femme de Wesley Schneider. Voilà, très très belle femme. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est la plus belle. Je trouve pas non plus que c'est peut-être la plus moche. Ça se dit pas en plus. Moche, ça se dit pas vraiment. C'est irrespectueux. Donc voilà, c'est pas la plus belle, mais elle est vraiment très très charmante. On arrive enfin en 4e place et on se retrouve avec Mandy Capristo. Alors, si je vous dis hashtag turc, hashtag Allemagne, hashtag je suis turc, mais je suis en Allemagne, et je joue avec l'Allemagne, mais je suis turc, et j'ai des yeux, comme ça, et je suis un beau gosse, hashtag, mais je suis Ozil, voilà, c'est la femme de Ozil, tu gères poteau, Psartek aussi ma gueule, très très belle femme. Alors elle est sur le podium, mais je vous dis même pas c'est qui, vous savez c'est qui, hein, Shakira, et vous savez, elle dort avec qui frère, bah Piqué frère, voilà, c'est tout. Je vais pas vous parler mille ans d'elle, hein. Alors, elle, c'est la deuxième, et c'est Sarah Carbonero, et c'est la femme de... Iker Casillas. Voilà, Iker Casillas. Alors, elle est très très jolie, mais je trouve qu'il aurait pu avoir d'autres personnes deuxième à sa place. À mon avis, déjà rien que la femme de Neymar, je l'ai trouvée vraiment très très jolie. Et à mon avis, elle méritait déjà au moins la deuxième place, ou au moins la Miss France, enfin la Miss France second, on va dire, la Miss France dauphine, la femme de Thauvin, aurait mérité elle-même pour moi la deuxième, voire la première place, pour moi personnellement en tout cas. Et en première position, on a Anara Atanes, ou Atan, voilà, je sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolé. Et c'est la femme d'un footballeur qui jouait en équipe de France, et qui a quitté l'OM pour aller jouer en Angleterre, et c'est bien Samir Nasri. Voilà, vraiment sa femme à Samir, elle est vraiment très très belle.
Bon, elle mérite d'être sur le podium, peut-être pas en première place, parce que comme je le dis, j'ai trouvé celle de Thauvin et également la femme de Neymar vraiment très très belle. Oui, tonton, il est tombé amoureux, ouais. Lia, elle va me tuer, aussi, ouais. Voilà, vraiment, j'ai trouvé que la femme de Thauvin était vraiment très très belle. J'ai trouvé également que celle de Neymar était très belle. En tout cas, les frères et sœurs, voilà, c'était un avis. C'était pas des critiques ou quoi que ce soit, je suis pas là pour dire, ouais, moche ou quoi. Je suis pas ce genre de mec-là qui critique le physique des autres en disant que c'est moche, pas beau ou quoi que ce soit. Loin de là, voilà, j'ai simplement dit qui étaient les plus belles ou les un peu moins belles que l'autre. Donc voilà, moi j'ai trouvé vraiment que les plus belles c'était Thauvin, Neymar et celle de Nasri aussi qui est très très belle. Voilà, vous n'hésitez pas à dire les trois femmes de footballeurs les plus belles pour vous dans l'espace commentaire. J'ai simplement voulu faire cette vidéo parce qu'on arrive tout près de l'Euro, pardon. Et voilà, on va commencer à s'intéresser au football et tout ce qui est autour des footballeurs. Et voilà, on peut s'intéresser un peu à leurs femmes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. N'hésitez pas à partager, commenter cette vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos ou même à ce soir pour une prochaine vidéo. Allez, salam tout le monde, prenez soin de vous et de votre Mifa. Ciao!